Yépa tout le monde! Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est encore penchée sur un sujet autour, ben voilà, je dirais de la crypto-monnaie, de l'émergence des blockchains, de ces nouvelles technologies qui donnent la possibilité à des gens en fait d'investir ou d'utiliser d'autres outils d'investissement, je vais dire alternatifs. Donc en fait, ça revient à quoi? Ça reviendrait à faire en fait du trading sur de la crypto-monnaie. Du coup, comme il y a un grand vide juridique au regard de la crypto-monnaie, pour moi, c'est pas très clair personnellement. Et bien en fait, j'ai beaucoup de mal à avoir des retours d'informations sur qu'est-ce qu'il convient de faire si on souhaite trader de la crypto. Voilà, fiscalement, comment est-ce que je réponds au cadre réglementaire? Si je fais du trading dynamique, si je fais du trading occasionnel, si je souhaite faire plutôt de la thésaurisation, pour moi la thésaurisation c'est le fait de faire un peu un pari sur l'avenir et de considérer que effectivement la crypto-monnaie et ces monnaies alternatives en fait pourraient avoir de plus en plus de confiance et donc du coup que la crypto-monnaie devienne un moyen d'échange et de consommation. Donc est-ce qu'il convient de l'utiliser ou alors est-ce qu'il faut parier sur le futur, voilà, en se disant potentiellement, ben, comme cette crypto va devenir un moyen d'échange, un nouveau moyen d'échange digital, alternatif, et ben, on va pouvoir consommer et utiliser directement cette crypto-monnaie. Donc, normalement, du coup, comme elle n'est pas convertie en monnaie usuelle, ben, selon ma propre, comment je dirais, logique, je me dirais, on n'a pas besoin de la déclarer. Si on ne la convertit pas, à partir du moment où la crypto est reconvertie, si j'ai bien compris, c'est à ce moment-là qu'on déclare. Alors du coup, j'ai beaucoup de problématiques autour de ce sujet. Donc j'ai essayé de consulter en fait des avocats, des experts comptables. Ce qu'il en ressort, c'est que très clairement, ben, j'ai pas vraiment de réponse. J'ai pas de réponse formelle. Certains, voilà, ne donnent pas suite à vos rendez-vous, alors que d'autres vous disent, voilà, droit dans les yeux, que effectivement, c'est un domaine qui les dépasse. Donc, à qui se référer quand nous-mêmes, nous ne sommes pas un expert du droit, on n'est pas un expert fiscal, quand on n'a pas les moyens de se payer un fiscaliste qui nous demande, par exemple, parfois, d'honorer des honoraires qui peuvent aller jusqu'à 25 000 euros. Donc, voilà, on n'a pas tous 25 000 euros à mettre pour avoir des conseils et savoir comment monter apparemment une société. Donc, voilà. Alors moi j'ai eu beaucoup d'informations, donc trader en compte propre, donc j'ai eu certains avocats qui m'ont dit qu'en fait il n'y avait pas besoin de statut. J'ai eu d'autres avocats qui m'ont proposé de mettre en place en fait des sociétés et de mettre en place des holdings. Voilà, holdings. D'autres en fait proposent d'y aller séquentiellement et potentiellement en fait de prendre un statut d'entrepreneur individuel. Donc il y a beaucoup de choses. Donc moi je vais essayer d'aller un peu plus loin dans les prochains castes et je vais essayer de comprendre en fait ce qu'il convient de faire pour essayer de respecter un cadre légal et réglementaire et notamment le cadre fiscal. Voilà, donc dans mes problématiques, je continue, dans ce sujet j'en ai beaucoup. Existe-t-il réellement un statut? Voilà. Pour la personne qui souhaite se lancer dans le trading, est-ce qu'il y a un statut à mettre en place quand le trading devient occasionnel ou dynamique? À partir de quand on doit ou pas mettre en place ce statut? Lequel on va choisir? Est-ce qu'il y a une plus-value limite à partir de laquelle en fait on passe du trader en compte propre, on va dire particulier, à la notion de professionnel? Voilà, donc bref, si je souhaite devenir trader en crypto-monnaie, quel statut et comment je réponds au cadre réglementaire pour éviter tout risque de redressement fiscal? Parce qu'il y a aussi des gens qui souhaitent opérer en réponse au cadre légal strict. La problématique, c'est que ce cadre légal est très difficile à comprendre. Voilà, c'est vraiment très très fastidieux, ça prend beaucoup de temps, il faut consulter beaucoup de tiers de confiance, il faut payer ces tiers de confiance dans les premières consultations, et pour autant, vous n'êtes pas sûr d'avoir des éléments de réponse concrets à vos besoins. Donc, j'essaie de fouiller par moi-même et de répondre à mes besoins. Donc des questions autour de tout ça, vous en avez compris, comment est-ce qu'on doit procéder? Donc dans les prochains castes, moi je vous invite à me suivre, j'ai essayé d'ouvrir ma réflexion en fait sur les statuts qui conviendrait de mettre en place, voilà. Donc j'essaie de chercher l'information, donc si vous avez une information concrète, réglementaire, ou voire même que vous êtes un expert du réglementaire, n'hésitez pas à faire part à la communauté de votre retour d'expérience ou de nous informer sur comment est-ce qu'on doit procéder. Voilà, je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de monde.
parce que dans la communauté de gens que je côtoie depuis plusieurs années et qui opèrent aussi sur le trading de crypto-monnaie, je constate que ces personnes ont les mêmes problématiques. Par contre, je constate quelque chose de commun apparemment, c'est que il y a beaucoup de gens qui traitent de la crypto-monnaie et qui en fait ne la convertissent pas. En fait, ils garnissent leur portefeuille et ils misent justement sur l'adoption générale de ces monnaies alternatives pour consommer. En fait, eux, ils prévoient d'utiliser cette crypto en fait pour consommer sur le long terme. Alors faut voir un long terme peut-être sur 10 ans, mais effectivement pour eux en fait ils envisagent que leur confiance est telle dans ces monnaies alternatives qu'elles devraient être adoptées. On voit notamment au niveau des GAFA et des Natu et voilà de nombreuses licornes ou d'autres startups qu'en fait il y a un gros travail de mise en place sur le fait de pouvoir payer avec ces monnaies alternatives. Donc effectivement, est-ce que c'est un pari sur l'avenir ou pas? Je ne sais pas ce qu'il convient de faire. Est-ce qu'il faut la convertir, la déclarer, ou alors est-ce qu'il faut la conserver justement sur le long terme? Ça, c'est une stratégie qui est personnelle. Mais je dirais qu'à la stratégie personnelle, il y a le côté, à mon avis, réglementaire derrière. Et moi, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'il faut procéder pour être en accord avec la réglementation. Donc voilà, je vous dis à bientôt, y est pas, en espérant que ce petit cast ait également aiguisé votre curiosité. Et n'hésitez pas en fait à faire vos propres casts audio si vous avez des retours d'expérience ou un avis d'expert qui pourrait tous nous aider. Je vous dis à bientôt, y est pas.